Eh bien, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, je suis Saint Sylvius, sous ma tête bouche, c'est magnifique. Et nous nous retrouvons pour le deuxième épisode de Saint Sylvius Adventures. Et je suis encore dans l'étable. Attention, hop, F5, voilà, je m'y perds dans mes touches. Et bien, aujourd'hui, vous allez certainement vous demander pourquoi est-ce qu'il y a un four ici, que dans mon inventaire, il y a beaucoup plus de choses qu'à l'épisode précédent. Eh bien, c'est parce que, figurez-vous... pour changer, que j'ai déjà tourné l'épisode 2 avant, mais que, je vous la donne en mille, je l'ai perdu. Enfin, du moins, c'est que c'est pas vraiment ça, mais c'est qu'on va dire que c'est ça. Parce que, pour être plus précis, j'ai eu des soucis avec mon micro, qui d'ailleurs n'est pas le même que j'utilisais lors de l'épisode 1, comme vous pouvez l'entendre certainement, ceux qui ont l'oreille absolue. C'est parce que j'ai des gros soucis au niveau du micro et tout ça. Pour vous dire, j'ai trois micros dont aucun ne fonctionne correctement sur mon gros PC, celui qui fait tourner les shaders avec Minecraft. Du coup, je suis obligé d'enregistrer. J'enregistre mon audio à part sur Audacity, sur un autre PC. Et donc, du coup, faut que je me dépatouille comme je peux. Mais bon, ce sera réglé très très vite. Normalement, je vais essayer d'acheter un micro qui ira. Mais enfin, bref, donc. Dans cet épisode que j'avais tourné, donc j'ai fait un four, et avec ce four j'ai fait des fioles d'eau qui me permettent de transporter à la fois plus d'eau, mais également de purifier l'eau, comme vous pouvez le voir ici, l'eau purifiée me permettant de ne pas tomber malade. Hop, regardez, si je bois, oulala, je ne suis pas malade, c'est merveilleux. Et donc du coup, là je fais ça. Pourquoi j'ai fait ça ici? Parce que c'est l'endroit le plus sûr que je connaisse avec les varaches, donc c'est une bonne chose. Et j'avais repéré aussi plusieurs choses intéressantes. Hop, on a pas mal de choses à voir. Je crois que c'est par là-bas. Ou pas. Je sais plus du tout où c'est. Mais j'ai repéré un donjon dans le ciel. Pour ceux qui... Si vous voulez, vous pouvez aller voir... vous pouvez aller voir l'épisode précédent. Dans les commentaires, j'ai mis la liste des mods. Et du coup, je crois que c'est le mode donjon ou un mode de carajou des ruines qui m'a mis ce donjon dans le ciel, mais je ne sais plus où il est. Attendez, si je mets ma carte en grand, il doit être... Il est là, il est juste là, voilà. Donc on ira voir ça, peut-être pas aujourd'hui, mais on ira le voir très bientôt. Mais faut savoir aussi que pendant, enfin lorsque j'ai tourné cet épisode, j'ai également participé à l'agrandissement du village. Et oui, incroyable aussi, voilà, je leur ai donné du bois pour qu'ils agrandissent un petit peu la partie étable. Et là du coup, on va aller voir en fait un petit peu ce dont ils ont besoin. Donc là vous pouvez voir les dialogues entre les villageois, c'est super sympa. Et contrairement à ce que je pensais, ce n'est pas du tout un village normand, c'est un village ecclésiastique. Et c'est pour ça que l'abbaye est le centre du village. Donc là vous pouvez voir qu'il s'appelle Saint-Denis-l'Océan, comme en Seine-Saint-Denis, qui est donc un village classique avec 11 habitants, dont une toute petite fille trop mignonne. Oh. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils ont besoin pour leur... pour leur projet, donc il leur faut du bois de chêne. Bah pourtant ils ont tout ce qu'il faut, c'est bizarre. Projet maison du charpentier, ressources insuffisantes. Alors qu'est-ce qu'il leur faut? Bah c'est bizarre. Il leur faut, bah je sais pas. Je sais pas ce qu'il leur faut pour le coup, c'est assez étrange. Mais enfin bref. Déjà je vais me nourrir un peu, je vais aller acheter de la nourriture auprès de la personne qui s'occupe de l'élevage bovin. Peut-être qu'elle va pouvoir m'en vendre. Parce que l'aspect économique est également très développé par rapport à Minecraft, ça c'est moche quand même. À Minecraft de base, c'est très très moche. Je vais creuser un trou ici, hop, comme ça l'eau va pouvoir rentrer, ce sera plus joli. Oui, donc l'aspect est beaucoup plus développé que par rapport au Minecraft classique. Hop, alors, vend aux joueurs. Oui, bonjour. Alors moi je vais vous acheter du... Ah, mais c'est de l'arnaque. C'est 20 deniers, 20 pièces de bronze, le bœuf cru. C'est une honte. Je ne reviendrai plus chez vous, madame, j'irai chez Carrefour maintenant. Non mais non, c'est un peu cher. Surtout que pour tout le bois que je leur ai filé, parce que j'ai quand même passé du temps à couper du bois, ils m'ont filé que 24 deniers. Mais peut-être que si je vais voir les agriculteurs là-bas, ils me donneront de quoi subsister. Il y a une grotte ici. Non, c'est juste une débauche de grotte. Hop. Bonjour. Attention. Voilà. Bonjour. Bah, il y a personne qui s'en occupe. Eh les gars là. You. Bah. Robert Lambert, t'es où? Hey Robert Lambert. J'aimerais avoir de la nourriture, s'il te plaît. Robert Lambert. Bon bah, je sais pas où il est. C'est pas grave, ce que je vais faire du coup, c'est que je vais me faire une pelle. Hop.
Et vous savez pourquoi? Eh bien parce que je vais récolter de la terre, et avec cette terre je pourrai grimper dans le donjon qu'on a vu. Ça change complètement mes plans pour aujourd'hui. Mais après tout, Millénaire est un mode très riche, et c'est pas parce qu'on va s'éloigner au moins une petite journée ou deux du village qu'il va s'arrêter. Au contraire, il va encore progresser et encore s'agrandir. Et ça va être incroyable. Mais nous, aujourd'hui, on va voir ce donjon qui m'intrigue beaucoup, ce donjon en grès volant. J'espère que j'y trouverai des choses intéressantes. Et peut-être même des combats épiques. Ce serait super sympa. Ah, il fait très très chaud. C'est horrible. J'ai l'air d'avoir la pêche comme ça, mais en fait je suis très fatigué. Parce qu'il fait très chaud depuis ce matin. Là, et pour vous dire, il est 22h11 et il fait chaud à mourir. En plus, j'ai deux PC qui tournent du coup. Et c'est crevant. Crevant. Et en plus, j'ai enlevé le ventilateur pour pouvoir tourner dans des conditions optimales, sans bruit. Enfin, j'espère en tout cas. Donc voilà. J'aimerais juste récolter un peu de nourriture avant d'aller là-bas. Je sais pas comment je pourrais me nourrir. Le problème c'est que si je tue les vaches, ils vont pas être contents, les villageois. Et si je leur pique du blé, pareil. Donc pourquoi ça fait ça? Peut-être les shaders. Ouais, c'est les shaders. Bah, du coup, on va mettre un autre. On va changer. On va mettre le Mr. Mip extrême. Tiens. Allez, hop. Ouais. Wouh. Wouah, rayon de soleil, oh. Ouais, non, c'est pas top. On va mettre mon petit chouchou, le super light, voilà. Allez. Vraiment, ça doit aller, il y a pas de raison. Bref, où est le donjon? J'ai déjà perdu, il est où? Il est par là-bas, je crois. Il me semble qu'il est par là-bas. Donjon! Où est ce donjon? Il est là, c'est bien ce que je pensais. Hop! Allez, on récupère tout ça. Et on va faire un petit pont de terre jusqu'à là-haut. Le truc en fait, c'est que comme j'ai faim, ma vie ne remontera pas. Attends, je me sens pas nourri, c'est pas grave. Hop! Moi, tout ce que je veux, c'est explorer ce donjon. Et puis si je meurs, c'est pas grave. Hop là. Il me paraît quand même haut, faut que je quand même récupère. Oh non, 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 il y a des monstres. Ah, mais je me suis fait une épée. C'est vrai ça. Puis en tuant un zombie, je pourrais récupérer la viande de zombie. Comme ça, je pourrais me nourrir. Et oui. Hop là. Mes deniers pour l'instant, je les mets de côté. Plus tard, si je suis assez populaire dans le village, je pourrais m'acheter une bourse à deniers qui permettra de ranger mes deniers justement. Là, il y a un mouton. Là, il y a une caverne. C'est un Enderman avec un squelette à côté. Ouais, non, finalement, je vais retourner au village pour passer la nuit. C'est un peu dangereux. Très dangereux même. Ce serait le terme. Hop. On va là-bas. Et puis on s'occupera du donjon demain matin. Je vais juste récupérer. Ah! Ouh! Bah, attends! Ah! Ah non, vous m'aurez pas vivant! Pas une deuxième fois en tout cas! Nien! 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 Allez, cours, sorti, cours! Oh, une vache sauvage! Je la tuerai plus tard, cours! Nien! Ah! Et comme d'habitude, dorme. Oh, c'est tout mignon! Oh là là! Elle fait même pas un bloc. C'est adorable. Adorable. Alors, où est l'araignée? Ah! Non! Ah! Hop là. Ça, c'est bon. Bah, du coup, je vais dans les tables. Hop. Voilà. Et je vous reprends. Quand la nuit est finie. Voilà. À tout à l'heure. Re tout le monde. Le soleil se lève. Je vais pouvoir y aller. Ouh. Ça fait une nuit agitée. Longue, très chaude parce qu'il fait très très chaud dehors, mais ça va. Donc j'ai vu une vache toute seule, je vais pouvoir la tuer pour récupérer sa viande. Où est-elle? Vache! Bon. Peut-être que le monsieur ici peut me vendre des trucs. Salut! Non, bon. Oui, ben viens tout de suite, mais dépêche-toi, hein. Moi j'ai faim. Je veux mon petit déjeuner. Ah! Oui, belle journée. Ah, donc toi, est-ce que tu peux me vendre de la bouffe, s'il te plaît? Non, tu peux pas me vendre de bouffe. Ah, vous servez à rien. Bon, bah moi, je vais voir le donjon. Voilà, c'est tout. Adieu. Ah, peut-être que lui peut me vendre un truc. J'arrive tout de suite. Bah oui, bah arrive. Ah, mon... Ah, une quête, très bien. Mon fils Norbert Dietmar est très pâle depuis quelque temps. Il dit de plus pouvoir avaler de tripes ou de boudin. Auriez-vous quoi que ce soit d'autre à me proposer? Vous semblez avoir beaucoup voyagé. Ah bah oui, j'ai pas les objets. Bah oui, mais si je les avais, croyez-moi. Oh, ils vendent des pommes. Ah, mais c'est des pommes pour le cidre. Est-ce que je peux en acheter quand même?
Ah bah non, bah j'ai plus mes deniers. Bon bah tant pis. Est-ce que ça me nourrit? Oui, ça me nourrit. Ça me nourrit, c'est une bonne chose. Par contre, ça me rend qu'un seul demi-cœur. Enfin, qu'un seul demi-truc de bouffe. Tant pis. Hein. Mais bon, au moins ça me nourrit, c'est le principal. Je vais pouvoir récupérer ma vie que j'ai perdue à cause de l'araignée fourbe de tout à l'heure. Qui m'a sauté dessus pendant que je me... C'est vraiment fatigant de couper tout ce bois. Si seulement j'avais une bouteille de cidre. Ah! Il faut que j'aille chercher une bouteille de cidre. Alors, il vous faut une réputation d'au moins marchand préféré pour embaucher ce villageois. On peut embaucher des villageois. Bah écoutez, je le découvre. Je pensais avoir tout vu de millénaire, mais finalement non. C'est pour ça que ce monde est parfait, parce que même à y avoir passé des heures, il nous surprend toujours. Et ma vie ne remonte pas. Bah oui, ma vie ne remonte pas. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Oh vie, pourquoi tu ne remontes pas? Ma vie ne remonte pas. Pourquoi? Je vois quelle difficulté. Je suis normal pourtant. C'est bizarre. Oh, vin du où? Il y aurait pas une... Bon. Une commande du coup pour donner la vie, je sais pas. Else? Non. Bah écoutez, c'est pas grave, on va tricher un peu. Hop. Mais vous êtes témoin. Vous êtes témoin. J'ai mangé, j'ai acheté ma nourriture déjà, et j'ai mangé, et pourtant ça m'a rien donné, comme cœur. Peut-être qu'il fallait boire de l'eau avec. Ah, c'est peut-être ça. Parce que ma barre d'eau est assez basse. En plus, je m'empoisonne, je suis bête. C'est pas grave. Peut-être que j'aurais dû boire, je pense que c'est ça. Il m'a manqué de la boisson, en fait, pour que tout passe bien. Mais tant pis. Hop. Bah, du coup, on coupe, enfin on récolte de la terre et on va aller explorer le donjon. Et dans le prochain épisode, eh ben je sais pas. Mais on fera des trucs. On aidera les villageois. Dans le prochain épisode, on aidera les villageois à agrandir leur village. Comme on l'a déjà fait avec les tables. Mais je chercherai un peu en solo parce que c'est bizarre. Ils ont toutes les ressources nécessaires, mais aucune construction en cours, donc là, du coup, ça me paraît étrange. Mais je chercherai, je pense que je trouverai la solution. Bon, je pense qu'avec deux stacks de terre, il y a moyen de grimper là-haut. Hop. Je vais mettre à un point haut, quand même. Je vais mettre ici, voilà. Allez. Et puis, est-ce qu'il y a de l'eau pas loin? Il n'y a pas d'eau pas loin. Comment je vais descendre? Je ne sais pas. Comment est-ce que je vais descendre? Oh, des vavaches. Mais je vais récupérer leur compte, du coup, au passage. Oui, je m'éparpille, je m'égare un peu à des cochons aussi, c'est très bien ça. Puis, vu qu'on a les PNJ du village de Saint-Denis-l'Océan, on n'a pas, enfin j'ai pas besoin de me faire une ferme à cochons ou à poulet ou à vache. Du coup voilà, je peux tuer sans vergogne, comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Et du coup, ah bah ouais si, je pense qu'il y a moyen de là-haut d'atteindre l'eau. Ouais, c'est une bonne chose. Allez, hop, puis au pire on s'en fout. On vit au jour le jour. Allez, on grimpe là-haut. Tout là-haut. Hop. Escalade. Et puis on va avoir une vue sublime sur toute la région. Ça va être très bien. Ah, il y a un mouton à combattre. Ah non, c'est juste la forme du sable. On aurait dit un mouton, je sais pas pourquoi. Hop. Hop, 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 hop. Ouais, ça va le faire. Ça va le faire. Ouais, je pense, et puis je pense qu'il y a moyen d'atteindre l'eau. Puis au pire, s'il n'y a pas moyen, je mettrai du bois, je me ferai un petit ponton jusqu'à l'eau. Enfin, ça va aller, je le sens très bien. Hop. On approche tout doucement. Il me reste un autre stack. D'ailleurs, on va ranger tout ça. Hop. Avec mon inventory Twix. Voilà. Ah, j'ai une fleur. Oh, c'est un puissant lune. Allez, hop, 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 et la barre d'eau, enfin de soif, monte, enfin baisse très très vite. C'est La situation n'est pas encore catastrophique, mais elle pourrait le devenir si je me dépêche pas. Alors, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un temple. Là, il y a un spawner à Blaze, j'ai l'impression, qui est éteint. Peut-être que c'est parce qu'on est de jour, je sais pas. Hop, ça c'est bon. Oula, un arbre en... Je vais casser les spawners. Je crois que c'est mieux à l'épée. Non, c'est mieux à la pioche. Je sais plus. Ça fait un bout de temps que j'ai pas vraiment joué à Minecraft. Hormis pour tourner. Il y en a un qui m'attend.
Blaze. Je crois que c'est des Blaze. Oui. Je joue tellement peu que j'ai le doute en plus. Oh purée, il y en a plein. Vous mourrez pas vivant, bande de proutes. Hop là. Allez, on casse ça. Et le 1. Je crois que c'est le seul qu'il y avait. Il y en a encore un ici. Hop là, allez. Ah, c'est très bien fait, donc j'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Ah, tiens, on va explorer ce qu'on va prendre ce qu'il y a dans le coffre là. Une fille d'expérience, très bien. Ah, j'ai eu peur. Oh mon dieu, j'ai eu peur. Zut. Non, je vais mourir. Non, je vais... Ah non, ça va. Ah, c'est qu'il y en a un ici. Pas que je meurs. Ça devient Tandax. Ça devient grave Tandax. Oh putain, il y en a encore un ici. Ah, Cassos. Ah, pitié. Oh non. Ah, le stress. Bon bah écoutez, c'est cool. Bah du coup, grâce à mon waypoint et à ma minimap, je sais où je suis mort et je sais où est mon stuff. D'ailleurs, je vais la récupérer au plus vite. Ah, au moins j'ai tenté, remarque. C'était bien. Bon bah on sait que c'est un donjon à Blaze, qui avait de l'équipement sympathique, dont une fiole d'expérience qu'il faut que je ramasse au plus vite. Je sais pas combien de temps le stuff reste à terre quand on est mort. Il me semble que c'est 10 minutes, je crois. Mais je suis pas sûr. Donc c'est pour ça qu'il faut que je me dépêche. Là-bas, il y a la hutte du bûcheron, mais je crois que c'est celle qu'on a vue dans l'épisode 1. Par contre, ma barre de soif baisse très très vite. Bon, en même temps, je cours, mais quand même. Hop. Là-bas, il y a encore un village. Je pense que c'est un village normand, ça. Et si je m'implantais là... Ah bah non, mais c'est... Ah bah oui, c'est... Non, mais c'est bon, c'est notre petit village. Bon. C'est les mois, c'est l'émotion. Hop. Et puis d'ailleurs, j'en profite juste comme ça pour dire que vous êtes bientôt 1000. Et ça, c'est cool. Ça, c'est très très cool. Mais vraiment très très cool. Et ça me fait très plaisir. Hop. Elles sont magnifiques, ces fleurs, en plus. Ça me rappelle Mindship. Il y avait des fleurs comme ça, mais à l'envers, et qui faisaient de la lumière. Mais enfin, bon. Bonjour. Ce qui serait bien, ce serait de pouvoir boire l'eau. Genre en faisant comme ça, on ramasse l'eau dans sa main et en puyant la boire. Ça pourrait être une idée intéressante à proposer aux développeurs du mod. Enfin bon, moi je dis ça, je dis rien. Je sais même pas qui c'est d'ailleurs. Une vache. Enfin non, la vache, c'est parce que je l'ai vue, ça. C'est pas une vache qui a développé le mod. J'espère pas. Qu'est-ce que je raconte? Hop, mon stuff est là, parfait. Oui. Hop, mon expérience aussi. Hop, et mon épée, mes graines, quelques fioles d'eau. Elles sont un peu éparpillées, mes fioles d'eau en plus. Mon petit godet, on va boire un petit coup. Quoique non, j'ai une fiole d'eau ici. Hop. Voilà. Bon. Eh bien écoutez, la nuit va tomber. On va s'arrêter là. Merci à tous d'avoir regardé ce deuxième épisode de Sorcilius Adventures. Et on se retrouve très très vite pour de prochaines aventures. Blablabla, je vous aime tous.